Salut tout le monde, c'est Carl ici à l'Île Noire en train de manger des ailes de poulet pour vous parler de M-Blues. I can't keep eating this. Certaines personnes oublient parfois que M-Blues, c'est pas simplement un événement de danse, c'est également un événement social. Et on a pris la peine d'ajouter des activités durant la fin de semaine pour que vous puissiez explorer la ville, sa musique, son histoire et avoir du plaisir entre nous. Le samedi après-midi, on a le safari urbain. Pour les gens qui veulent se lever assez tôt, le safari urbain permet d'explorer des points clés de l'histoire jazz à Montréal. C'est aussi intéressant pour les gens qui habitent à Montréal, qui viennent souvent, ou les nouveaux visiteurs. Une des activités préférées des Montréalais, le brunch. Et justement, on a un brunch avec du blues live dimanche après-midi. Sur Saint-Denis, c'est au Clébar que ça se passe. Venez manger entre amis en écoutant de la musique et bien sûr, danser. Danser, c'est vraiment le fun. Mais des fois, pendant une soirée de danse, c'est le fun de pouvoir se reposer aussi un peu. Et pour ça, au Théâtre Plaza, on a la Chill Zone. C'est un endroit où il y a des poufs où vous pouvez aller vous poser, prendre une selfie ou deux avec des amis. Ouais. Ouais. Et on a déjà hâte de pouvoir vous servir une belle ambiance, de la bonne musique, des bonnes personnes. On est ici pour vous.